Bien le bonjour. Installe-toi, mets-toi à l'aise, hein, excuse-moi. J'ai un tout petit chouïa de trac, hein. C'est la première vidéo que je fais sur cette chaîne sur la poésie, la littérature, la lecture, les contes, bref. Et ça sans me prendre pour un instit ou un académicien. Alors certains pourront dire que c'est complètement fou comme projet, d'ailleurs au vu du sujet je pourrais pas les contredire. Mais en même temps, lorsque l'on aime, que ne ferait-on pas? Là je vois de sacrés trucs qui pourraient poindre de mon côté, parce que par amour... J'ai fait de sacrés trucs. Mais l'amour dont je te parle ici ne concerne pas une personne, tu l'as bien compris. Je te parle de l'amour des mots, l'amour des lettres. Oui, tu sais, une sorte de littératurophilie, tu vois. Bon, je te rassure, j'enfile pas des livres, hein. C'est pas le sujet. D'ailleurs, je pourrais te parler de mon rapport à l'amour entre personnes, hein. Dans d'autres vidéos, en plus, on a déjà le canapé. Alors voilà, docteur, ce qui résonne en moi lorsque je parle de sentiments amoureux. Ça vous fera 140 euros. On se revoit la semaine prochaine, même heure. Et puis vous êtes moins cher. C'est la langue, donc, qui me motive, hein. Pas forcément celle des femmes. Quoique... Non, c'est surtout les mots et leur agencement. Alors qui de mieux que Jean de La Fontaine, hein, le décorateur intérieur des phrases, le fabuliste de génie, pour démarrer cette chaîne et représenter mon amour pour les mots. Je vous propose qu'on se régale ensemble d'une de ces fables, L'amour et la folie. Tout est mystère dans l'amour. Ses flèches, son carquois, son flambeau, son enfance. Ce n'est pas l'ouvrage d'un jour que d'épuiser cette science. Je ne prétends donc point tout expliquer ici. Mon but est seulement de dire, à ma manière, comment l'aveugle que voici, c'est un dieu. Comment dis-je, il perdit la lumière. Quelle suite eut ce mal qui peut-être est un bien? J'en fais juge un amant et ne décide rien. La folie et l'amour jouaient un jour ensemble. Celui-ci n'était pas encore privé des yeux. Une dispute vint. L'amour veut qu'on assemble là-dessus le conseil des dieux. L'autre n'eut pas la patience. Elle lui donne un coup si furieux qu'il en perd la clarté des cieux. Vénus en demande vengeance! Femme et mère, il suffit pour juger de ses cris. Les dieux en furent étourdis, et Jupiter et Némésis et les juges d'enfer, enfin toute la bande. Elle représenta l'énormité du cas. Son fils, sans un bâton, ne pouvait faire un pas. Nulle peine n'était pour ce crime assez grande. Le dommage devait être aussi réparé. Quand on eut bien considéré l'intérêt du public, celui de la partie, le résultat, enfin, de la suprême cour fut de condamner la folie à servir de guide à l'amour. Alors je trouve cette fable riche d'enseignements. Qu'on l'observe du point de vue trivial, l'amour entre deux personnes, hein, ou le rapport, comme je l'indiquais tout à l'heure, passionnel à une activité. L'amour rend aveugle, dit-on. L'amour rend fou, assure-t-il. Ne collectionnes-tu pas des figurines, des livres, des jeux, des jouets, des poupées, des timbres, que sais-je? Combien dépense-t-on dans le monde par année en exclusivité ou tout simplement en goodies? Amour, passion, deux mots très liés, menant à tout type de folie comme, au hasard, la création de cette chaîne. Alors est-ce un mal, est-ce un bien? Comme La Fontaine avant moi, je t'en laisse juge. Jusqu'où, dans la folie, serait-on prêt à aller? Rappelons-nous qu'en France, jusqu'en 1975, il y a quoi, une quarantaine d'années, un peu plus? Le crime passionnel, tu rentres chez toi, tu trouves ta femme au lit avec un amant, tu butes les deux. Voilà, le crime passionnel. Eh bien, c'était excusable. Oui, 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 un homme qui tue sa femme adultère, c'est... un romantique, hein? Voilà. Et toi, grand romantique également? Jusqu'où serais-tu prêt à aller par amour? Eh bien, je te laisse méditer sur ce sujet. En attendant, je te rappelle qu'il s'agit là de ma première vidéo sur la chaîne. Donc si tu as aimé, laisse la passion guider ton geste pour t'abonner. Et si la folie s'empare de ton corps, alors là, n'hésite pas à poser un pouce bleuté et à commenter pour me dire ce que tu serais prêt à faire par amour et à me proposer la fable de la prochaine vidéo. Alors, aimeras-tu à ce point ?